L'idée du poussard, c'est donc de faire un courson d'un côté et une baguette de l'autre avec de quoi faire un courson sur le flux de sève. Vous voyez, celui-là, il est nickel alimenté et celui-là, de la même manière, il est alimenté. Donc, on a notre courson l'année prochaine ici, notre baguette éventuellement ici et puis on a la même chose ici et ici. Celui-ci, par exemple, moi, je l'aime assez parce que j'aimerais être qu'on soit d'accord. Je pense qu'à peu près n'importe qui taille ce pied de la même manière que moi. Je pense, à peu près. C'est-à-dire que si je dois faire une baguette, je suis en mixte et je dois faire une baguette de l'autre côté, ben j'ai pas trop le choix, je vais faire ma baguette avec celui-là, mon courson ici, là, et le courson ici, orienté dans l'axe du rang, et j'enlève ma baguette de l'année dernière. Ouais, c'est cas d'école, mais... Qui fait autrement ? Poussard. Non, Poussard, il fait ça. Hein. Il fait ça, hein. Ça, c'est du Poussard. Hein. D'école. C'est un courson, c'est pas un retour. C'est un courson. C'est un courson. Moi, c'était un code, quoi. Alors, tu peux laisser qu'un œil. Tu peux laisser qu'un œil sous la baguette. Voilà, c'est ça. Tu peux laisser qu'un œil. C'est pour ça que on laisse qu'un œil. Moi, j'appelle ça un retour. Les vieux m'avaient appris ça comme ça. Ça tient. Tu peux faire ça. Sauf si le bourgeon n'est pas bien orienté. Il y a trois solutions. Il y a trois solutions. Soit tu laisses un œil. Pour moi, c'est suffisant puisque ce que tu veux, c'est un bois l'année prochaine. Ok. Soit tu fais une latte sèche et tu forces le premier œil de la latte à démarrer. Ça marche aussi puisque en fait tu te retrouves dans la même situation. D'accord. Donc bon, on est bien toujours dans la. Moi, je suis pas. Sélectif, Poussard il nous dit de faire un code de chaque côté, mais faire un œil, et si vous appelez ça un retour, je suis OK, il n'y a pas de problème, on fait un œil, ce qu'il faut c'est de l'avoir cet œil, donc et ça veut dire si on ne l'a pas, on passe à l'épamprage, on en laisse un. Ce qu'il faut c'est qu'on ait un bois surtout. Mais tout le monde taille à peu près de cette manière-là, qu'on laisse un ou deux yeux, le résultat sera le même. Pas sur l'entassement tout ça, mais sur la taille l'année prochaine. Donc, en fait, moi, quand je regarde ça, je me dis que si tout le monde taille de cette manière-là, ce cèpe-là, ça veut dire qu'on est bien d'accord. On est tous d'accord que c'est comme ça qu'il faut tailler. Mais alors, pourquoi ? Non, mais c'est vrai, on est en plein dedans. Le truc, je suis en train de vous coincer. Pourquoi tous les cèpes ne se ressemblent pas ? Parce que quand on va tailler, on choisit quoi en premier ? La baguette, ça tient juste à ça. Si vous vous mettez à choisir le courson en premier, si toi non. On ne parlait pas des photos là, à l'époque. Voilà. Et puis pour apprendre à tailler, je passais une année derrière des vieux qui avaient fait des concours et gagné. Et je les voyais des astres, je regardais. Ils me disaient, quand tu auras compris, on verra la prochaine. Bon, j'ai commencé à 12 ans à tailler. Et j'ai appris avec des gens qui savaient un peu tailler. Quoi. Et d'abord, on commence par tailler pour l'année prochaine. Ça, c'est la base. Moi, je ne donne pas de coup de pompe. Il vaut mieux avoir 3 lattes dans un rang qu'en avoir 5 et ne pas pouvoir tailler la prochaine. Moi, je ne donne pas de coup de pompe, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que si on se retrouve dans cette situation-là, on a bien une baguette et un courson. Et on a bien un courson à la base. Donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, je me retrouve dans la même situation, soyons d'accord. Si je me retrouve dans cette situation-là, ce n'est pas parce que je l'ai choisi, c'est parce que cette personne-là, ça fait 4 ans qu'elle taille en poussard dans sa parcelle. Celui-là, il n'a pas la même gueule, mais c'est exactement la même. On a là, au lieu d'avoir un courson, on a un retour, mais là, on a bien un courson qui est seul de l'autre côté, qui fait un courson et une baguette. D'accord ? Si je regarde sur une plus jeune ici, celui-là, il a été choisi comme ça pour partir sur un guyot double. Hein, on a un guyot double puisqu'on a une baguette, on a deux baguettes. D'accord ? Je peux peut-être continuer à le dessiner. Mais donc, là, on a supprimé les baguettes de l'année dernière et on se retrouve avec les coursons qui nous font les coursons de l'année prochaine et les baguettes de l'année prochaine. Vous comprenez ? L'année prochaine, je me retrouve de nouveau avec le courson de l'année prochaine. La baguette de l'année prochaine, le courson de l'année prochaine, la baguette de l'année prochaine. Hein ?
Moi je laisse à côté, côte, je ne mets pas. C'est une autre. Là, c'est la grosseur des bois, c'est pareil. Hein. Quand je fais une autre d'un côté, pas de l'autre. Non, mais attendez, là, moi je ne vous ai pas dit, je vous ai pas dit de faire le choix. Il laisse deux as l'année dernière. Est-ce que vous avez, sur l'image que vous voyez ici, est-ce que vous avez l'indication de savoir si elle est capable d'emmener deux as ou pas? Vous ne l'avez pas. Donc pourquoi vous permettez de dire qu'elle n'est pas capable de les amener? Vous ne savez pas. Donc en fait on s'en fout. C'est l'inversion entre le... Ah voilà, par contre c'est l'inversion. Voilà, c'est l'inversion ici là. Avec la baguette avant, le courson là. Mais si je fais pas... Donc ça veut dire que si je fais ça, si je laisse mon courson ici et que je fais ma baguette ici là, je me retrouve avec une plaie ici dans le trajet de flux de sève. Donc j'avais le choix. J'aurais pu très bien me dire que l'année d'avant, j'aurais pas dû faire un courson aussi court ici, j'aurais dû le faire plus long et laisser ma baguette, dans ce cas-là, ici. C'est ça que vous me dites. Là, ça vous aurait moins choqué. Là, ça vous aurait moins choqué. Donc, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est que l'impact que ça a, c'est que ça a un peu moins d'impact que ce qu'on pense, le fait de le faire à l'envers. Ça a un peu moins d'impact que ce qu'on pense parce que celui-là, le flux, on l'a vu, on en a disséqué suffisamment. Celui-là, il est hyper bien alimenté puisqu'il est premier. Le risque, il est où alors? Il est calé pas quand de une catastrophe, qu'il prenne une bête et puis qu'il n'y ait pas de bouton dessus, qu'il soit gelé, tu te retrouves avec une as avec un truc là. Oui, mais ça, même si j'avais mis ma baguette après, c'était pareil le risque. Tu veux dire que là, si j'ai un problème si sur mon... Ben oui, si sur... tu ne pars pas, tu es obligé de partir sur l'ast, c'est pas où le part. Ah oui, mais bon, ça, c'est la même chose si j'avais pris l'ast au bout, là. Si j'avais pris l'ast ici, j'aurais eu le même problème. Quand elle va pousser, après, l'année d'après, quand tu vas la tailler, tu vas faire une grosse plaie en plein milieu, là. Ici, là. Ouais, oui, mais vivante autour. Mais vivante autour, puisque j'ai les yeux de la couronne. Alors que si je l'avais fait plus loin, j'aurais coupé ici et j'aurais recoupé ici... Pour couper ma baguette, donc en fait j'aurais desséché jusque là. Donc en fait c'est le dessin que je vous ai fait là-bas hein, en fait. Hein. En fait si vous préférez respecter cette recette qui pour moi elle a pas vraiment de sens puisqu'on voit qu'on la triture dans tous les sens. Une recette c'est quelque chose de fiable dans tous les cas. Sinon c'est plus une recette, c'est un dogme. Hein? Donc ça veut dire qu'elle est pas elle est interprétable cette recette. Donc si elle est interprétable, c'est plus trop une recette quoi. Moi ce que je préfère penser c'est que je préfère prioriser mon flux de sève en me disant que ce qui m'importe c'est d'avoir ça. Si vous préférez supprimer ça parce que vous n'avez pas confiance et avoir une baguette plus longue de ce côté, faites-en comme choisissez. Du moment que vous adaptez à la charge et à la vigueur, moi j'ai rien à dire. Ce que j'ai à dire c'est que je veux faire démarrer ce bourgeon et ce bourgeon, et adapter la charge à la vigueur. C'est les coursons. Moi, ce qui m'importe, c'est les... Non, mais attention. Ce qui m'importe, c'est les baguettes. Mais pour avoir des bonnes baguettes, il faut que je fabrique des coursons qui vont me porter ces baguettes. Ce qui m'importe, c'est les baguettes. Je veux du fruit. Enfin, je suis viticulteur. D'accord? Je veux du fruit. Mais pour avoir du fruit, il faut des coursons. Donc, ce qui m'importe, c'est les coursons. C'est ça qui est difficile à se mettre dans le crâne, en fait. D'accepter de pas penser à ce que on va réaliser directement, mais se dire que pas voir tout de suite la glace quoi, qu'on va pouvoir consommer direct quoi. Se dire que ben non, on en met au congélo, et on en aura encore plus pour après quoi. Et si on décide de pas la mettre cette baguette, on va la couper où? Si tu décides de pas mettre cette baguette, tu la coupes juste au-dessus de la couronne. Tu fais pas de chicot, mais voilà, c'est ça, au diaphragme du brouillon, exactement. Eh non, parce que si tu te sers de celui qui est vertical comme retour, tu fais une plaie sur le trajet du flux de sève là. Tu vois, c'est-à-dire que tu as un chicot ici, mort, et la base de ce chicot, j'attire ton attention sur que la base de ce chicot, elle est ici. Donc si je fais une plaie ici, ça va se dessécher tout là. Et donc je vais avoir un espèce de gros bois mort ici. Et la sève, il va falloir qu'elle fasse le tour pour aller alimenter ce sarment. C'est ça le problème. C'est pour ça que je ne fais pas le choix du dessus. Sinon, moi, je m'en fous dans l'absolu, de dessus, dessous. Mais je ne peux pas faire ça parce que ça veut dire que je ne groupe plus mes plaies sur un côté. Je me retrouve à avoir une plaie d'un côté, une plaie de l'autre.
Et c'est ce qui fait que ma sève, des fois, elle est coincée. Même dans les endroits où justement la viticulture est chère, les pliages, ils sont violents. C'est plié, serré, on demande de serrer, on demande de plier. Des fois, on a des baguettes cassées pour pouvoir aller sur le fil. Et bon, bah, ça, c'est jamais vraiment super. Hein. Et ça, c'est juste parce qu'on ne veut pas retirer de fil pour le pliage. Donc, ça va vous faire acheter quelques kilomètres de fil. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, le fil. Hein. Et là, si je continue à plier comme ça, je me retrouve à plier comme ça, forcément, puisque je ne veux pas casser. Si je retire un fil, hein, ce fil n'y est pas, hein, c'est pas un fil d'Arcure. Hein. Si je retire un fil pour plier plus haut, je vais me retrouver avec ça là. Du coup, c'est l'idée. Hein, pour plier plus facilement les baguettes. Mis à part celui-là et celui-là là. Donc ceux-là qui sont souvent un peu malingres. Celui-là, ça pousse bien. Et là, ça pousse bien. A priori, ça a tendance un peu à fonctionner comme ça une baguette. Ici, ça va fonctionner un peu comme ça. Et puis, comme ça, comme ça, comme ça. Puisque c'est plus droit. Plus c'est droit, plus c'est homogène. La hauteur, là, de perte de feuillage, par rapport à là, je pense pas qu'elle soit significative. Ce qui vous fait perdre la hauteur de feuillage, c'est la hauteur du cep, c'est pas la hauteur du fil. C'est simplement vous dire ça. Enfin, à mon avis. Mais, c'est un peu facile pour me dire ça. On perd quand même un peu, mais malgré tout, on perd beaucoup moins que la hauteur de levage, de relevage ou de changement du fil. Puisqu'en fait, on est sur une arcure. Et on gagne en régularité de sortie. Ça, vous pouvez l'observer, hein.